Move. Je sais pas si t'as vu, la trottinette électrique est enfin dans le code de la route. Et attention, c'est chaud. Interdiction au moins de 12 ans, obligation de porter un casque et un gilet réfléchissant. Il faut utiliser les pistes cyclables. On peut se garer sur un trottoir que si ça gêne pour les piétons. Et si on roule sur le trottoir, c'est à moins de 6 km/h. Est-ce que c'est beau, hein, j'ai beau avec le code de la route? Ouais, gilet, je suis pas sûr, mais... Surtout, elle est où ta trottinette? Ah non, j'ai oublié l'acheter. T'as toujours pas oublié d'être con par contre. Non, je suis toujours pas malin. Je sais pas si t'as vu, une enceinte connectée pour être témoin d'un meurtre. Aux États-Unis, en Floride, suite au meurtre d'une femme chez elle, la police a décidé d'interroger son enceinte connectée Amazon comme témoin de l'affaire. Parce qu'elle pourrait avoir enregistré des sons qui aideraient dans l'enquête. C'est chelou. T'imagines si ça marche? T'aurais des discussions super bizarres en prison. Ouais, t'es tombé pourquoi là? C'est 6ix9ine qui t'a balancé? Non, c'est un grippin, ce bâtard, il était connecté. Je sais pas si t'as vu, un club italien s'engage contre le racisme. En Italie, les discriminations sont un très gros problème dans les stades. Récemment, plusieurs joueurs noirs ont été victimes de cris de singe ou d'insultes. Comme Kalidou Koulibaly, Blaise Matuidi ou dernièrement l'international italien Mario Balotelli. Et près de Milan, le club junior de Aurora Desio a décidé de lutter à sa manière contre le racisme. Leur projet, c'est que tous les joueurs arrivent sur le terrain avec le visage peint en noir. Puis finalement, ils l'ont pas fait. Heureusement, parce que lutter contre le racisme avec une blackface, c'est pas pratique. C'est comme si tu vas aux alcooliques anonymes et tu dis « Bonjour, je tiens à vous féliciter, j'ai amené une petite bouteille de pastis ». Ça ne marche pas. Tu es connecté sur Move.